à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une vidéo spéciale YesStyle avec de super beaux produits que je vais vous présenter. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous préparez aux fêtes de fin d'année. Alors donc, je vais vous présenter des nouveaux produits de chez YesStyle. Je n'en connais aucun. Donc, c'est génial, puisque là, on va encore découvrir de belles choses, garanties. Alors, donc, pour chaque produit, je vais vous présenter le packaging, je vais vous présenter le produit en lui-même. Et vous aurez ici, donc, qui va défiler comme d'habitude. Vous aurez des petites images, des explications sur le produit. Comme d'habitude, vous savez, je fais toujours défiler des petites choses ici. Allez, donc, on va commencer par le premier produit. Donc, le premier produit est de la marque Emish. C'est un nettoyant visage. Voilà, donc packaging déjà énorme. Voilà, donc vous avez tout un tas d'indications déjà sur le packaging. Ça, j'adore. D'autres explications. Vous voyez, c'est vegan. Voilà, vous avez tout un tas de choses très intéressantes. Donc, évidemment, les ingrédients et comment les utiliser. Alors, donc... C'est une mousse nettoyante de 150 ml qui sur le site est à 11,85 €. Alors, je ne sais plus si c'est soldé ou pas à ce prix-là parce qu'il y a tout le temps des promotions sur YesStyle. Vous le verrez, hein, vous aurez évidemment le produit en photo avec le prix en dessous et vous verrez juste en dessous en rouge s'il y a une promotion ou pas dessus. Donc, le produit se présente comme ceci, donc très pratique. Hein, voilà, un tube comme ça, je veux dire, il n'y a rien de mieux. Donc, c'est une formule douce avec un pH proche de celui de la peau. Donc, il contient des extraits de bois de Panama. Alors ça, je vais vous mettre ce que c'est parce que je ne connaissais pas. De la Centella Asiatica. Bon, ça, il y en a pratiquement dans tous les produits asiatiques, en tout cas coréens. Et ensuite, de la Mamélis. Ça, c'est vraiment pour apporter de la douceur. Il élimine les impuretés, l'excès de sébum et prévient l'apparition des imperfections. Donc, c'est génial. Donc, il rééquilibre la peau, hydrate et apaise. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, c'est un produit sans parabènes et qui convient donc aux peaux sensibles et à tendance acnéique. Alors, j'essaye tout doucement de le faire sortir, mais je crois qu'il est operculé. Ouais, il est operculé. Je l'avais un petit peu défait, mais pas entièrement. Donc, du coup, ça bloque. Ouais, non, au niveau de l'odeur, il ne me semblait pas qu'il y avait... Voilà, c'est une espèce de gelée, hein, vous voyez, ça fait comme une gelée. Voilà. Et au niveau de l'odeur, il me semblait... Non, il n'y avait rien de particulier quand je l'ai testé, il n'y avait rien de spécial. Mais vraiment, j'ai bien aimé ce produit. Voilà, ça nettoie, ça vous enlève le reste de maquillage. Donc, voilà, ça me va très bien. Voilà donc pour ce premier produit. Ensuite, on va passer au masque. Donc là, j'ai eu un masque pour la nuit. Donc, c'est le masque Yuja Niacin. Donc, vous voyez au niveau du packaging comme il se présente. Voilà, c'est tout jaune. Hein. Alors, donc les 60 grammes sur le site. Oui, donc le Soposi, 17,25 €. Là aussi, je ne me souviens pas si c'était soldé ou pas. Donc, vous voyez le packaging. Déjà, c'est trop mignon. Et si vous saviez comment ça sent bon. Donc, le Yuju, hein, je pense que vous savez déjà ce que c'est. C'est un hybride, hein, voilà, ou du citron. Donc, c'est un masque de nuit multifonction. Donc, il a donc, deux fonctions principales. C'est un éclaircissant et un anti-ride. Donc, sa formule à base de Yuju donc, est faite pour un teint lumineux et éclatant de jeunesse. Ça sent bon, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça sent bon. Ça sent vraiment l'agrume, hein, forcément. Si vous n'aimez pas les odeurs citronnées... C'est pas la peine. Je vais la mettre un petit peu sur la main quand même pour vous le montrer. Hein, parce que là, je vous ai montré. Ah, c'est une texture très, très glissante. Très, très... comment on peut dire hein, très lisse, très, très légère. Hein, vraiment très, très légère. Ensuite, vous avez aussi du glutathion. Donc, tout ça aussi, je vous mettrai à quoi ça correspond. Mais des petites indications, des légendes. De la niacinamide. Et tout ça, c'est pour illuminer le thème. Donc, vous voyez cette formule très, très légère. Très, très douce, vraiment. C'est très frais. C'est très agréable.
Voilà, vous voyez, j'avais mis quand même une bonne quantité sur ma main. Hein. Mais ça, normalement, c'est presque pour tout le visage. Donc, vous étalez. C'est très frais. Franchement, c'est fondant. On dirait que, voilà, que je viens de me mettre un petit peu d'eau et que je l'étale tellement qu'elle est légère, cette texture. C'est vraiment très, très agréable. Ensuite, vous avez de l'aquacille et du fructane. Hein. Tout ça pour hydrater. Après, vous avez aussi pas mal de vitamines pour revitaliser la peau. Donc, c'est idéal pour les peaux sèches, les teintes ternes et les poches. Ah oui, ça sent très, très bon, vous voyez? Voilà. C'est très frais, franchement, j'adore. La texture, donc, est légère et rafraîchissante et est absorbée rapidement. La senteur d'agrumes relaxe et favorise la bonne nuit. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser le soir, puisque c'est un masque de nuit. Et donc, voilà, pour bien dormir le soir. Donc, ces odeurs d'agrumes doivent avoir cet effet relaxant. Hein? Voilà, pour passer une bonne nuit. Voilà pour ce produit, je vous le remontre. Voilà, puis en plus, même sans promo, je ne le trouve pas excessif. 17,25€ les 60 grammes, mais je crois que c'est en promo. Voilà, je trouve que franchement, ce n'est pas excessif parce que là, franchement, vous en faites longtemps. Là, ce que j'avais mis là, je l'ai étalé pendant un moment. Parce que c'était qu'une petite partie, mais je l'aurais mis sur le visage, j'aurais presque fait tout le visage, franchement, pour l'avoir déjà testé. Voilà. Ensuite, on va passer à un tonique. Donc, on m'a proposé un toner Feel So Fresh. Alors, donc là, les 150 ml, 21,90€. Donc, c'est un, voilà, un petit toner. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu le packaging. Tout simple, hein. Mais bon, moi, je trouve ça génial. Ça me va très bien. Donc, c'est un tonique au pH légèrement acide qui restaure l'équilibre cutané tout en hydratant et en affinant le grain de peau. Donc, ça, c'est génial. Ça, franchement, pour un toner, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc, il contient du jus d'agrumes, de l'extrait de feuilles d'aloe vera qui régule la production du sébum et élimine tout en douceur les peaux mortes et les points noirs. En même temps, je lis mes notes, hein, vous avez bien compris. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à l'intérieur? On a donc 38% d'extrait de yuzu pour revitaliser. Vous avez aussi 3% de jus d'aloe vera. Et ensuite, 2% d'ingrédients brevetés bio détox avec de l'extrait de brocoli, d'aloe vera. Et aussi, là, on a du guayaba. Avec ça, on risque rien. Donc, la texture est légère et est rapidement absorbée et laisse donc la peau hydratée et rafraîchie. Donc là aussi, au niveau de l'odeur, bon, je ne crois pas avoir trouvé que ça avait une odeur particulièrement pas désagréable du tout. Mais bon, voilà. Donc, c'est un produit qui est vegan. Voilà, donc le top. Je suis super contente aussi de ce produit. Franchement, ça, les toners, on n'en a jamais assez. Hein, ça sert toujours hein, pour finir la routine nettoyage, hein, pour terminer le thème pour la routine. C'est fantastique. Hein. Voilà, donc je vous remontre la petite boîte. Ensuite, on va passer à un nettoyant visage qui fait aussi quand même un petit peu toner, je trouve. Donc, c'est le Magic Body Shroom de la marque Chasing Rabbits. C'est un packaging très, très particulier. Donc, en gros carton, voilà, je trouve ça très spécial. Donc, c'est un packaging donc recyclé, recyclable. Voilà, je trouve ça très, très sympa. Je vous montre l'animal. Voilà, le super toner. Franchement, j'ai bien aimé ce produit. Vraiment, je ne l'ai pas trop essayé parce que je n'ai pas eu trop de temps. Mais franchement, le peu que je l'ai utilisé, je l'ai adoré, vraiment. Donc, c'est une formule qui est vegan. Il rajeunit la peau, ravive l'éclat naturel. Il contient des extraits de trémella. La trémella, c'est un champignon. Donc, il est riche aussi en bêta-glucane, hein, qui hydrate et nourrit. Ensuite aussi, il y a des substances proches du collagène. Donc, ça, c'est super sympa. Donc, il a une grosse capacité d'hydratation et qui est bien supérieure à l'acide hyaluronique. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, à tester sur plusieurs jours pour être sûre, parce que franchement, j'y croyais pas trop. Là, je ne voulais pas trop bien montrer de près. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a de l'antioxydant. Il hydrate. Hein. Il permet à la peau de garder plus longtemps son éclat et prévient l'apparition des rides. Là, franchement, je me suis dit, c'est plus que
qu'un nettoyant, c'est plus qu'un toner, quand même. Hein? Voilà, bon, après, il a une formule aqueuse, hein, vous voyez, c'est très, voilà, c'est très liquide. Hein. Bon, écoutez, franchement, sans parabènes, sans huile minérale, formule clean, hein, évidemment, c'est cruelty free. Voilà, quoi. Je vous remontre un petit peu, j'ai vraiment bien aimé ce produit. Voilà, donc à tester sur plusieurs jours, hein, franchement, topissime. Au niveau de l'odeur, non. J'avais rien remarqué non plus de particulier. Voilà, donc c'est cool. Et puis ensuite, ah oui, je ne vous ai pas dit le prix. Les 200 ml, 29,05 € hors promotion. Et là, il est en promo à 23,25 €. Donc, ça vaut le coup aussi, puisque bon, on en fait vraiment longtemps. Et pour finir, une super crème hydratante intensive de la marque Frudia Blueberry, donc à la myrtille. Donc, j'ai déjà eu une crème de ce style, de cette marque. Je vais vous montrer ça, que je n'ai pas terminée encore, mais je vais bientôt l'attaquer. Voilà, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, c'était la formule basique, la formule hydratante, hein, à l'avocat, qui est vraiment très, très, très bien. Mais comme j'en avais déjà en cours, voilà, j'ai préféré finir les autres. Et celle-ci, ça va être bientôt à son tour. Il y a encore deux, trois petites crèmes que j'avais commencé en petit échantillon que je voulais finir. Et ensuite, je vais attaquer celle-ci. Franchement, super. Et donc là, maintenant, j'ai celle donc, qui est très nourrissante à la myrtille. Comment vous dire que ça sent vraiment la myrtille? Le packaging déjà est à tomber par terre. Je vous montre ce packaging, mais c'est trop beau. C'est trop beau, vous mettez ça là sur la coiffeuse, mais c'est trop beau quoi. Voilà. Donc quand vous ouvrez ce truc, bon, vous voyez une petite ouverture très très légère. Ouais, c'est, voilà. Très onctueuse, hein. Une odeur super agréable, vraiment. Et puis, ce que vous pouvez constater, c'est que les peaux sont remplies à ras-bord. Voilà, à ras-bord. Hein, c'est pas comme dans certaines crèmes de marque autre où vous avez les trois quarts, par exemple, vous voyez. Non, là, chez Estaeila, là, voilà, c'est correct. Hein, on ne vous arnaque pas, vous en avez pour votre prix. Donc là, les 55 grammes sont à 26,35 €. Donc, pour une crème intensive, je trouve ça vraiment très correct. Donc, à l'intérieur, il y a 69% d'extrait de myrtille qui garde la peau hydratée sur 72 heures. Donc, sa texture est très crémeuse. Elle délivre instantanément les nutriments. Donc, ensuite, c'est surtout pour les peaux squameuses, les peaux fatiguées. Et donc, ça renforce la barrière cutanée de la peau puisque c'est une formule intensive. Voilà, donc pour les personnes qui sont à l'extérieur ou qui travaillent dans le froid ou à la chaleur pour l'été, voilà, c'est quelque chose qui hydrate intensivement et profondément la peau. Voilà, je trouve ça génial. Donc, elles contiennent des extraits de feuilles de cassis, de l'huile de pépins de fruits et de la bétaïne. Alors, pour les feuilles de cassis, ça prévient l'oxydation et le vieillissement de la peau. En même temps, donc, ça nourrit, ça fait antioxydant et anti-vieillissement. Ensuite, l'huile de pépins de fruits. Donc ça, c'est pour l'hydratation et l'éclat. Et puis ensuite, la bétaïne prévient la sécheresse et maintient l'équilibre de la peau. Donc, c'est quand même une crème très complète. Donc ça, c'est à appliquer évidemment à la fin de votre routine. Donc, nettoyage, sérum... Enfin, ce que vous faites le soir ou la journée. Après, voilà, il n'y a pas d'indication à se servir uniquement le matin ou le soir. Voilà, ça, c'est chacun qui voit suivant sa texture de peau. Voilà, ça, c'est chacun. Hein. Mais il n'y a rien contre matin ou soir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo spéciale YesStyle partenariat vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose où je suis passée peut-être un peu vite ou quelque chose que vous n'avez pas compris ou si vous voulez des indications supplémentaires. Je pense que chaque fois quand il y avait un petit mot compliqué ou un produit ou une texture ou quoi que ce soit qui était un peu inconnu, je fais toujours des recherches et je vous le mets donc à côté. Hein, voilà, c'est pour ça que je me décale toujours un petit peu pour vous laisser la place à côté. Puis c'est toujours intéressant d'apprendre quelque chose. Hein. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Si vous passez par là, que cette vidéo vous a plu, bah écoutez, abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications.
Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!